Bonjour à tous les amis, c'est le Baron Sullivan pour une nouvelle aventure Hearthstone, car comme vous le savez, il y a une nouvelle aventure de la Ligue des Explorateurs. Synchronisation parfaite, l'ami. Bienvenue au Hall des Explorateurs. Merci. Nous avons une piste pour les trois parties du bâton de l'origine. Pouvez-vous nous aider à les récupérer? Mais je suis là pour ça. Donc nous allons commencer la Ligue des Explorateurs, comme vous l'avez compris, car nous n'avons de temps à perdre pour avoir des nouvelles cartes, et surtout il y a des decks vraiment excellents avec cette nouvelle extension. Il y aura le deck avec évidemment les les Murlocs, et des decks actuellement que vous pouvez voir déjà, vous avez déjà vu des vidéos sûrement. Donc allons-y et voyons voir ce que le temple d'Orzis nous réserve. Très bien, déjà une petite récompense avec la première carte torche oubliée, inflige 3 points de dégâts, place une carte torche enflammée dans votre deck qui inflige 6 points de dégâts. C'est pas mal déjà. Un chapeau encore. Donne un serviteur plus un héral d'agonie, ajoute une carte chapeau d'explorateur dans votre main. Ok, d'accord. Déjà intéressant. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, quand même, donc le chapeau encore. Le scarabée. Donc découvre une carte à 3 cristaux. Voilà, donc ça la met dans la main après. La pierre d'invocation. Chaque fois que vous lancez un sort, invoque un serviteur aléatoire du même coup. C'est plutôt sympathique. Et les fameux decks, donc Jackson. Donc si votre deck ne contient pas de carte en double, rend tous les points de vie à votre héros. Et là, c'est quand même très très fort, car on peut faire des decks de 30 cartes avec comme combo, donc de regagner tous ses points de vie. Donc ça peut être du grand n'importe quoi. C'est génial. Allons-y. Ah, on prend l'avion. Alors. La première partie du bâton se trouve dans l'ancien temple d'Orsis. Reno est déjà à l'intérieur et il a besoin de votre aide. Alors on y va, on y va. Alors. Reno est presque arrivé au bâton, mais il n'a pas pu s'empêcher de frotter la lampe. Qu'il est bête. Alors, on a qui? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous piochez une carte, accorde un vœu à votre adversaire. Ok, bon, je sais pas trop ce que c'est. Donc écoutez, on va prendre le guerrier. Alors les cartes qu'il nous donne. Chaque fois que vous lancez un sort sur un autre serviteur allié, on lance une copie sur le djinn. Ok. Et le fameux scarabée découvre 3 cartes à 3 de mana. Et on peut en choisir une pour mettre dans sa main. Ce qui est quand même... Bon, je prends les decks classiques. Hein. On va voir ce que ça donne. Guerrier. Contre Zina. Poire ou la mort. Alors, bon, 2, 3, 4. On va garder ça. C'est quoi son pouvoir déjà? Aventurier, je suis Reno Jackson, archéologue de renommée mondiale, salut. Explorateur et chasseur de trésors. Salut mec. Avec toute la maîtrise d'un collectionneur invétéré. D'accord, bon de toute manière on peut rien faire, donc on passe notre tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme vœu? Découvre un serviteur. Bon, est-ce qu'on fait ça? Bon, on va déjà faire ça. Ah, ça. Ouais, pourquoi pas tout. Ah, alors, on donne plus de points de vie à tous les Murlocs. Bah voilà. Donc ça c'est nouveau pouvoir, hein, découverte, donc du coup on choisit une carte. Il nous accorde des vœux tout en essayant de nous tuer. Eh oui, c'est oui. Ouais, normal. Alors, ah. Alors en attendant, on a ça qui donne plus de points de vie. On unlock. Carte casse de mana, on va voir. Alors, charge.
au moins 4 serviteurs. Et ben on va essayer de faire ça. Commencer doucement. Ah, ça fait beaucoup de cartes en fait. Hein. Ok. Je vous ai parlé de la fois où j'ai infiltré les ogres de H-Trip avec un super déguisement. Non, non, non. Oui. Tazingo ! Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a comme sort ? Et aussi nos autres serviteurs, c'est pas bien. On découvre une bête. Ah, on équipe une arme. Ça pourrait être sympa. J'hésite entre les deux. Avec celui-là, au serviteur avec charge, en plus en attaque, on s'en fout. Allez. Très bien. Alors, on va essayer de casser celui-là. Accélération. Ah, non, ça va plutôt être celui-là qu'on va tuer. Ah, ça c'est embêtant. Et de la fois où je me suis faufilé dans le lycéum de Roche Noire pour obtenir... Oui... Alors, hop là. Essayez ça. Chercher longue défense. On va prendre le voilà, du feu hein. Oula. Ça c'est pas mal. Là, on a 7 mana pour le tour d'après. On révèle un serviteur de chaque deck, c'est bien. Ouais. Allez, je pourrais faire celui-là. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Changer. Ouais. Allez. Donc comme ça, on va mettre au prochain tour sur celui-là. Ouais. Mais c'est du face hein. Ok. Imaginez ça. La baguette du soleil. Alors. Ça vaut des milliards. On ne va pas le maintenant, vendre. Ménage. Alors là, on a combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Point de dommage. 17, 11, 12, 13, 14. Bon, bon, bon. Alors, on peut faire... Alors, les sacs qu'on fait plus 2 et charge un allié. Ah mais non, celui-là. Ça, c'est vraiment pas mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesures de sécurité désactivées. Moteur de récolte activé. 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. C'est bête ça. Alors, on va tout de suite revoir ce qu'on peut faire. On réduit aussi dans le cas où il nous mène un truc à la con. Ça c'est trop tard. On sait jamais.
Voilà. Là on est bien. Ouais. Voilà. Première aile finie hein. C'est parti. Et voilà, donc très facile avec le guerrier. Impeccable. Cette salle. Eh ouais, super. Merci. Alors, Jean et le scarabée, c'est cool. Qui ressemble plutôt à un crabe d'ailleurs, je trouve. Bon, bref. Youpi. Allez, deuxième. Nous avons atteint le caveau du temple. Occupez-vous du garde. Je me charge du reste. Ok, qu'est-ce qu'il fait lui? La personne qui contrôle la baguette du soleil est insensible. Je vous propose de changer de... On va prendre le mage. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, le mage. C'est parti. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais bon. Donc toujours les decks proposés par le jeu, hein. On se casse pas la tête. Gina contre pas dire que c'est insensible, ça. Ah oui. Soleil Férix. D'accord. La baguette du soleil est à moi. Ok. Vous l'avez cherché. Ouais, ouais, quand même. Donc ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Allez. Donc j'imagine qu'il faut tuer ce truc. Je suis invincible. Ok, bonjour. Emparez-vous de ce bâton. Ah ouais. Il va. Essaye. Oh, ce qu'il donne. Vous aimez jouer avec le feu. Ça, c'est très embêtant. Ça passe. Voilà. Il est à moi. Vous allez brûler. Je protège le temple. Ah. Oui, celui-là. Râle d'agonie. Ah oui. C'est intéressant. Oh, eh ouais, c'est bien pratique ça. Ça c'est plus embêtant. Plus embêtant. Si je fais... En fait je tuerais bien mais bon. Prochain tour 6. Ah ouais. Ouais ouais ouais. Butez-le. Allez, on fait du face. Vous ne pouvez pas comprendre. Ah, c'est embêtant ça. La puissance de la bataille. Ah du coup ils font pas de dégâts. Oui. Bon, j'ai mal joué là. Garder cette baguette. Bah oui, elle a beaucoup peut de valeur. Là, il va la regarder après. Ok. Ouais, ça... Ah bon, il reste 14 points de vie. Ouh. Ça c'est embêtant. Bon, heureusement, on peut faire ça. Mon invention. Ouais, on va besoin de piocher là surtout. 1,
Ah, c'est un jeu de dupe un peu cette histoire là. Ah, ça c'est embêtant. Bon. Max, après être tranquille. Parce que j'ai pas optimisé, lui il m'énerve. Avec son rechaud, levez les boucliers. Ok. 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 Très embêtant. Alors. Alors, qu'est-ce que je fais? Oh, si c'est ce que vous voulez. Oh, si c'est ce que vous voulez. Bazingo! Oh, si c'est ce que vous voulez. C'est 3. Ah bah, il est terminé. Le seigneur du feu nous appelle. C'est embêtant là. J'arrive pas à m'en sortir. C'est un 4-6 quand même. Oh, si c'est ce que vous voulez. Oui, il va re-récupérer. Quoi vous regardez ? On va le mettre, on va voir. Ok. Ah ça c'est... Ouais. Ah ! C'est très embêtant. Bon bah je crois que j'ai perdu là. Moi détruit. Ah. Ah. Ouais, ça va être dur. Là, là on va récupérer ça. Ça il se prend ça pour dommage. On va peut-être réussir à l'avoir. Je l'ai coincé dans les cordes. Ouais je suis pas sûr. Bah, évidemment. Il récupère. Alors. Moi détruit. Ouais, c'est facile hein. C'est avec la chance. C'est gagné. Et voilà. Donc le match est une bonne idée. Allez si tu veux. J'ai la baguette. Si seulement Harrison pouvait me voir. Eh oui. C'est normal que le sol remue autant.
Donc la pierre d'invocation et la deuxième, j'avais pas vu. Sentinelle Anubisat donne +3/+3 à un serviteur allié aléatoire. Ah, ça avait pas sans rappeler l'autre créature là. Sectateur là. Hein? Mais pour un coût un peu plus cher. Alors, là. Élémentaire grondant. Après avoir rejoint un serviteur avec crit de guerre, inflige 2 points de dégâts. Hein. Ah, pour faire des crit de guerre pour 4-2-6, bon. Épreuve sacrée. Secret. Quand votre adversaire a au moins 3 serviteurs, on joue un autre, le détruit. Ah ça c'est pas mal ça. Et il fait quoi celui-là? Nous avons la première partie. Maintenant, sortons de là avant d'être écrasés. On y va. Affronter de nouveaux obstacles. Qu'est-ce qui peut aller vite? Le druide. Allez, le druide. Moi, je veux bien un druide pour se barrer vite. Druide ou charme? Allez, druide. Je vais d'instinct, hein. Malfurion contre le temple écroulé. Je dois protéger la nature. Oula, oula, oula. Ça en veut pas, ça en veut pas, c'est trop gros tout ça. On doit aller vite, on a dit. C'est quoi le pouvoir? Ouais, d'accord, ok. Le plafond va s'écrouler et il y a des monstres partout. Dépêchez-vous. Ah bon. À 10 tours avant de fuir, affronter de nouveaux obstacles. Ok, d'accord. Je ne peux pas jouer terminé. Ah merde, je suis pas de cible. Ouais, j'ai mal joué là. Je suis assez un bassin luminescent. On y va. On n'a pas le temps pour ça. Travail terminé. Ok. Oula, ça c'est spécial. Ok. Une fosse remplie de pointes. Ah ouais, d'accord. Ça c'est que c'est... Merde. Ça n'avait pas l'air marrant. Ah là, c'est pas grave. On va récupérer des points de vie, là, on va tuer ça. C'est énorme, ne restez pas là. Et pas déplacer la baguette. Détruit le serviteur à la fin du tour. Ouais, c'est gentil, mais... Où dois-je frapper? Lui, c'est un 7 quelque chose. Encore 4 tours à tenir visiblement. Ah. Ok, le grondement devient plus fort. Paraît que le toit va s'écrouler au prochain tour. Ah, ça détruit à gauche, oh, d'accord. Okay. 7, 8, 9. Hey, c'est une belle statue. Et le rubis est si éclatant. Alors. Oh, voilà. Oh, il n'a pas l'air content. Je crois qu'il veut récupérer sa gemme. Oh merde. Retenir tour à tour 10. Waouh. Ah ouais. Les portes sont ouvertes. Sept, allez. Il fait vraiment mal. Allez. Ah non, il va me faire 10 points de dommage. En deux tours. Attention, le plafond s'écroule. Oh, c'est pas passé loin. Content que vous vous en soyez sorti. Il y a pas de quoi. Ouais. Allez. Un tour. Je sais pas ce qu'il va nous sortir comme belle saloperie. Je ne peux pas vous laisser fuir.
à 4 tours. Ah mais j'ai mal joué en fait. 5. Ok, bah je peux rien faire. Ah j'avais mal calculé le coup. Il fait très sombre ici. Mais je suis sûr que c'est le chemin le plus rapide. Allons-y. Sur ma carte, il y a écrit « Ne passez pas par là ». 7, 14... Ouais, c'est clair. Alors, ah, ça fait rien. Ouf, il commence à faire chaud. Dépêchons-nous. Oula, ça va être chaud là. Deux tours. Wow. Oh, vite. Z8, 212, 12, 13, 14. Ça va être chaud là. Pour une créature à 4 tonnes. Ah merde, j'aurais pu tuer. Oh, pourquoi faut-il que ce soit toujours des insectes? Ah, je suis mort. Allez, alors. Créature avec taunt et c'est bon. Allez. Ah merde. Non. Allez. Créature avec taunt. Que n'importe quelle créature. Ah là là, pas de bol. Qu'est-ce que je peux faire? On y est presque. Je peux voir le soleil. Je crois que je suis mort. J'ai fait une... Ah. C'était pas si facile. Mais l'autre, des innervations dans tous les sens. Allez, on y retourne. C'était pas si mal. Le chaman avec son tonton là. C'est pas mal. Allez. Je crois que j'ai fait un mauvais choix. Je pense avoir fait un mauvais choix. Malfurion contre le temple écroulé. Je dois protéger. Déjà j'ai mal joué ça. Déjà, on va garder ça contre une créature. Voilà, ça c'est pas mal avec le taunt. Ok, ça, ça sert à rien. Allez, 9. C'est parti. Un bassin luminescent. On y va. Ok. Hop là, c'est bien. Une fosse remplie de pointes. Alors. Ok, vous passez à travers les pointes. Dépêchez-vous. Pour la nature. Dans les points de vie. Ah bah, est terminé. Ah, ouais. Ce rocher est énorme, ne restez pas là. Pas déplacé. Ça, ça m'ennuie. Ok. Pour la nature. Voilà. Ok, le
grondement devient plus fort. Parce que le toit va s'écrouler au prochain tour. Hey, c'est une belle statue. Et le rubis est si éclatant. Ouais. Oh oh, il n'a pas l'air content. Je crois qu'il veut récupérer sa gemme. Merde. Gagner celle-là, 17, 18, 19, là. Allez, on va tester. Allez, on va tester ça. 5 tours. Tour 5 points de vie. On dirait que c'est pas la joie. Je ne peux pas vous laisser fuir. D'accord, si tu veux. Moi, détruire. Je suis sûr que c'est le chemin le plus rapide. Allons-y. Alors, vous ne faites rien. 7, 7, 7, 14, 15. Il va tout me détruire. Non, je fais rien du tout, je vais gagner 3 tours. Parce que là, ça va gagner un tour, ça. Ils ne s'en relèveront pas. Ouais, il y a 2 10, 10, je crois, qui viennent. Ça c'est assez agaçant. Alors, est-ce que si je le tue, je peux tuer celui-là? J'ai 7. Alors, je prends 7, hein, ce tour-ci. Un. Oula. 7, là. Bon, je vais gagner là. Ok, la provocation. Si c'est bon, alors que je réfléchisse. Pour la nature. Voilà. Lui. Je tue avec lui. Là, lui, je tue avec lui. Et lui, je tue avec lui. Et là, je suis logiquement safe. Super. Ah. Je ne croyais pas être aussi heureux de revoir un jour ce désert. Désert. Je crois qu'il me faut de l'eau. Ah, moi aussi, une bouteille là. Ah. Alors. Reno Jackson. Donc, la fameuse carte qui va nous permettre de faire les decks 30 cartes différentes. Et je sens qu'on va bien s'éclater. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la Ligue des Explorateurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Évasion réussie, récompense, une ombre ancienne. Place une carte malédiction ancestrale dans votre deck qui vous a
inflige 7 points de dommage quand vous la piochez, d'accord. 4 pour 7, 4, c'est quand même une grosse daube. Sauf si on trouve comme une ça, combo. Il recherche le bâton. Et ouais, je recherche le bâton. Voilà, à bientôt les amis, ciao pour un deuxième épisode.